Alexis Goffian l'a dit, ils sont nombreux parmi nous aujourd'hui, vous en voyez la preuve ici sur cette scène. Et sans plus tarder, eh bien, les prises de parole se succèdent. Et j'appelle André Santini, qui est juste ici. André Santini, qui est également présent, accompagné à ses côtés donc, de Patrick Devedjian, député et président du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui va nous faire le plaisir de prendre la parole. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Mes chers amis, pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui? Sans doute, certainement, parce que je me souviens d'où je viens et parce que je me souviens de ce que les miens ont subi. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je suis là pour une question de principe. Cette question de principe est la suivante. La communauté arménienne de France, comme d'autres communautés arméniennes dans le monde, subit constamment, depuis de longues années, l'organisation, la diffusion d'un négationnisme instigé par l'État turc. Et la communauté arménienne est la seule qui fait l'objet d'un négationnisme d'État dans ce pays. Personne, aucun État au monde n'aurait une telle audace. La Turquie a cette audace. Nous demandons à la France, dont nous sommes les citoyens, fidèle et respectueux, de nous protéger dans notre identité dont le génocide est une partie intégrante. Ce génocide, il nous définit. Et la Turquie, en continuant à diffuser en France, dans le pays où nous avons trouvé refuge et qui nous a offert les droits du citoyen, la Turquie continue la persécution initiée par le génocide en continuant à développer sa négation qui, comme plusieurs intellectuels l'ont dit, la négation du génocide et sa continuité. Et donc nous demandons à la France de nous protéger et qu'on nous laisse vivre en paix dans notre vérité sans qu'un État, et non pas des individus, ne continue à nous persécuter. Alors je sais bien que dans ce pays de liberté, un certain nombre d'intellectuels, d'historiens que je respecte, ont demandé que les droits de l'historien ne soient pas entamés, qu'une loi ne vienne pas dicter à des chercheurs, à des savants, ce qu'ils doivent écrire. Je comprends cela très bien. Et ils ont raison de demander cela. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que ce n'est pas eux qui sont visés par une loi sur le négationnisme, ce sont ceux qui s'en servent comme un instrument de propagande et comme un instrument de politique. Or, les historiens, enfin les vrais, ne font pas de politique, ne font pas de propagande, ne font pas d'idéologie. Je suis heureux d'ailleurs qu'à cette occasion sur le négationnisme, du débat sur le négationnisme, des historiens s'aperçoivent enfin de l'existence du génocide arménien. Parce que, à part Yves Ternon, pour qui j'ai la plus grande admiration, et pour qui j'ai un hommage
respectueux, je dois dire que la communauté des historiens, pendant 80 ans, nous a très largement oubliés. Et je n'ai pas eu le sentiment qu'à aucun moment, de la part d'aucune revendication de la communauté arménienne, on ne les ait empêchés de s'exprimer très librement sur leur vision du génocide arménien. Ce que j'ai plutôt déploré tout au long de ma vie, c'est leur absence, leur insuffisance. Et si aujourd'hui ils veulent s'intéresser à ce qui est arrivé à nos parents, à notre peuple, bienvenue, et nous n'avons surtout pas l'intention de les limiter dans ce souci. Ce sera enfin quelque chose qu'ils auront fait sur ce sujet et sur cette cause. Et par conséquent, le débat qu'on a tenté de falsifier en faisant croire que c'était un débat sur la liberté d'expression, sur la liberté intellectuelle, ce n'est pas cela. Le vrai débat, c'est un État étranger peut-il continuer au-delà du temps à persécuter encore par sa propagande, par ses malicieuses investigations, par ses malicieux propos, par ses malicieuses manœuvres, peut-il continuer à persécuter une communauté qui a été victime de cet État et de ceux qui l'ont précédé? Ma réponse est non, et je pense que la réponse de la France doit être non. J'ajouterai que la France, malheureusement, dans le drame du génocide, a contracté à notre égard des obligations morales dont elle doit enfin s'acquitter. Le 24 mai 1915, au plus fort du génocide, la France, pendant la Première Guerre mondiale, combattant la Turquie, mettait en demeure la Turquie d'arrêter ses crimes, de cesser d'exterminer les Arméniens en commettant un crime contre l'humanité dont le concept apparaissait pour la première fois. Et la France disait que les auteurs de ces crimes devraient en rendre compte devant la justice après la guerre. Ça n'a jamais eu lieu. Tout le monde a abandonné les Arméniens après la Première Guerre mondiale. Il n'est que temps d'honorer cette promesse qui a été faite à ce moment-là. Enfin, sur les principes, je veux dire que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale. Il est simplement démocratique qu'elle soit examinée à son tour par le Sénat et qu'elle ne finisse pas dans un tiroir, ce qui n'est qu'une petite manœuvre misérable, une petite manœuvre misérable que de faire oublier un texte de loi dans un tiroir pour complaire à un État qui se conduit de manière démocratique. Je veux à cette occasion, parce que c'est un devoir, rendre hommage à tous les Turcs militants des droits de l'homme qui soutiennent la reconnaissance du génocide arménien. Ça leur est beaucoup plus difficile qu'à nous. Ils ont un mérite beaucoup plus important que le nôtre à le faire. Et je vois dans leur démarche un espoir que je n'ai jamais abandonné de réconciliation profonde avec un jour la Turquie. De là où je suis, je peux vous dire que je vois encore des militants, des amis, des défenseurs de la cause arménienne s'approcher vers nous. Alors, je vais juste vous demander, pour des questions de sécurité,